Bienvenue à la Cour en direct. Aujourd'hui, notre première affaire est une réclamation contre un salon de bronzage. Insatisfait des résultats suite à une séance de bronzage, M. Claude Turcotte réclame la somme de 750 $ au salon de bronzage Rhino Incorporé. Monsieur Claude Turcotte? Oui. C'est vous? Oui, c'est moi. Alors, la question que je vous pose, vous dites que vous aviez un contrat pour avoir 10 leçons de bronzage, c'est ça? C'est ça, 10. Bon. Aviez-vous un contrat écrit ou verbal? C'est un contrat écrit. C'est, écrit. Bon, ben, tout à l'heure, oui. Après, là, vous m'enverrez votre contrat écrit, s'il vous plaît. Parfait. Bon. Avez-vous eu des séances? Est-ce qu'il y a des séances où vous êtes allé? Oui, je suis allé à... Combien de séances? Je suis allé à une séance. Une séance. Après, là, vous êtes allé seulement une fois. Après oui. Cette fois-là, là, oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Parce que je suis pas au lycée. Ah bon, parce que vous n'êtes... Monsieur, oui. On va revenir à vous. Vous vous grillez à votre goût quand ça sera votre tour. Exactement. Bon, monsieur, vous n'êtes pas retourné parce qu'à la suite de la première séance, vous n'étiez plus satisfait. Pas du tout. J'étais blanc comme un drap. Je suis danseur nu, fait que c'est comme c'est important pour mon job. Danseur nu. Ah bon? Alors, votre bronzage, c'était sur tout le corps. Ah oui, vous intéressait. Ben oui, oui. Ça vous intéressait pour vos activités. Ben, ça fait pas juste m'intéresser, c'est tous les danseurs, on est tous pas mal bronzés. Oui, oui, ça attire plus dans ce sens-là, on sait pas pourquoi. Là, mais... Vous, qu'est-ce que vous savez, madame? Moi, là, d'abord, je vous félicite pour votre mission. madame, moi, je suis la... on va s'en tenir à la côte. Ben, moi, je suis la présidente du fan club de Coco. Puis là, nous autres, ben, on est vraiment, là, chez nous, avec des amis, là, avec le fan club. Et puis, on veut tenir Coco, là, tu sais, puis continuer à lui donner l'encouragement jusqu'au bout, hein, les filles? C'est mon métier, c'est mon grand-père. Oui, oui, je comprends. Alors, c'est à votre tour, monsieur, de vous contacter. Oui, monsieur. Ah, là, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, pas grave. Avez-vous un contrat là, avec monsieur, vous admettez ça? J'ai donné une facture, parce qu'on s'est entendu verbalement, il me payait en dessous de la table, puis moi, je donnais les séances. Ça m'a été référé par un ami. Oui. Puis je pense que j'aurais pas quelle sorte de séance qu'il a subi? Il est allé une séance à 15 minutes, il est venu me rencontrer, puis là, je l'avais... 30 minutes. Monsieur, vous avez compris comment c'était désagréable tout à l'heure de vous faire interrompre, hein? J'ai une lettre de ma mère aussi. Une minute, s'il vous plaît, là. Avez-vous compris tout à l'heure comment c'était désagréable de vous faire interrompre? Vous n'avez pas aimé ça, hein? C'est vrai. Bon. Alors? J'ai amené un néon. Vous pouvez bronzer, monsieur. Non, laissez faire. Il y a une date en dedans. Monsieur. Il y a une date, monsieur, dans le néon. Il a pété son néon. Excusez-moi, là. Il y avait une date d'écrit là-dedans, monsieur. Mon dermatologue, il me dit qu'il y a une date d'écrit dans ça qui monsieur, prouve monsieur, hey, monsieur, le salon de bronzage. Il va falloir avoir de l'or, s'il vous plaît. Je m'excuse, bon. Je t'apprête à vous montrer. Ça fait deux fois là, que vous portez épouvante pour rien. Ben oui, mais calmez-vous, là, s'il vous plaît. C'est pas ce monsieur-là qui mène la cause, si c'est moi. Honnête, Lino, m'attends faire, moi, honnête. Hey, monsieur Turcotte, s'il vous plaît. Oui. Répondez à mes questions. Il ne fera pas gagner à cause, lui. Si vous avez une chance de gagner, c'est en vous adressant à moi. OK, correct. Bon. Là, vous avez votre contrat, là? Oui, c'est bon. Vous allez me l'envoyer. C'est une facture. C'est ça. Un contrat, c'est une facture. C'est pareil. Avez-vous des documents à m'envoyer, là? Sans rien briser et sans rien gâcher. J'ai pas de documents. J'avais le néon. J'ai la facture. J'ai signé la facture. J'ai la lettre de ma mère, si vous la voulez. Oui, envoyez-la à la lettre de votre mère. Bien. Alors, je vais regarder ça puis je vais rendre mon document. Je peux vous en donner une, moi aussi. Ma mère, elle connaît sa mère, c'est ce genre de. Monsieur, vous ne connaissez pas sa grand-mère? Moi, je ne connais pas. Ah, c'est tout le monde se connaît. C'est ridicule. Je vais regarder les documents, là, puis je vais vous rendre le document. Je suis deux excités de ça. Je n'ai eu de toutes les couleurs. Les fous de main, les grand-mères. Mon Dieu. Vous pensez que j'ai été au toit? Non, c'est la porte à côté, madame. Ah bon? Dis-moi, le juge est là. Non, vous n'avez pas le droit d'entrer. Non. Mais Claudine, moi, c'est... Claudine. Êtes-vous dans le fan club, vous autres?
OK. Laissez-moi travailler, là. Merci. En passant, monsieur le juge, on a-tu gagné? Madame, vous direz ça. Madame, attendez à l'extérieur. Là, tu vois, c'est la porte de la tu vis le fan club. Attends un peu, il faut rendre le jugement, là. Voici mon jugement. Et nous, on a pris la décision de vous inviter à surprise, surprise. Bonjour. Je trouve ça bon quand c'est les autres.